Justement, là, personne ne sait exactement, c'est peut-être ce qui fait son charme, c'est que c'est un personnage un peu mystérieux. Très visible pourtant, là, qui a existé pour vrai dans la région Amherst. Dans les années 60-70, je pense, là, si ma mémoire est exacte. C'est un vieux bonhomme à cheveux blancs, car moi je l'ai connu avec les cheveux longs, la barbe, et qui portait toujours, ou presque toujours, une casquette de capitaine. Ça fait que les gens l'avaient surnommé. En fait, c'est un vieux clochard, ni plus ni moins, là, qui traînait souvent sur le coin des rues. Les gens l'avaient surnommé le capitaine à cause de sa casquette. Il était très rare ceux qui savaient qui il était en réalité. Il venait d'ailleurs, j'imagine. C'était pas, on lui connaissait pas de parenté ou de connaissance dans la région. Puis c'est peut-être à cause de justement que c'est un personnage un peu mystérieux, là. À un moment donné, dans un de mes romans, j'avais besoin d'un personnage mystérieux comme ça. Alors je l'avais choisi. J'avais choisi de son nom, non pas son nom, mais son sobriquet, puis son comme personnage. Ben, à part sa casquette, là, je me souviens pas très bien du reste, là. Je sais qu'il avait les cheveux longs, les cheveux très blancs, une casquette de capitaine, là, de marin. Ben, habituellement, vêtu assez, comme on dit en bon français, comme la chienne à Jacques, là. Bon, il a l'air plutôt d'un bum, d'un clochard. Donc, c'est vraiment un personnage marquant, bon, enfin que. Bon, un personnage qui frappait l'imagination, disons, là, que les gens connaissaient, qui faisait peut-être parler de lui un peu, là, par son originalité. Et c'est vraiment en fait quelqu'un qu'on croisait en ville, mais les gens ne lui parlaient pas beaucoup. C'était un peu comme un ermite. Il passait pour pas mal ermite aussi. Puis il l'était aussi. Il passait ses étés seul dans le bois. L'hiver, ben là, il était bien obligé de se revenir en ville, là. Puis on ne lui connaissait pas d'occupation. Puis il a peut-être fait un peu de trappe, là, ou de. Je me souviens pas vraiment des détails, là. Mais entre vous, est-ce que vous en parliez de cette personne-là? Bon, peut-être un peu, là, tu sais, oui, j'imagine, là, qu'il faisait peut-être un peu jaser le monde, là.